Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis, on ne perd pas de temps, comme vous pouvez le voir, on ne perd pas de temps, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour le 35e épisode de Sons of the Forest, et c'est un plaisir juste de pouvoir voir Calvin et Virginia en train de m'épauler sur cette nouveau projet de base. Et donc du coup ça régale et ça donne vraiment envie. Voilà, c'est motivant. J'espère que vous allez bien. Merci à tous pour les commentaires sur les deux derniers épisodes. Franchement ça régale. Et vous étiez du coup tous d'accord globalement pour qu'on s'installe ici avec une nouvelle petite base. Donc que j'ai commencé. Laissez-moi un petit peu vous présenter l'idée. Déjà, ce que je voulais de sûr, et c'était cool parce que j'en profite vu que l'eau est gelée, c'est d'avoir un petite plateforme en avant ici pour pouvoir genre pêcher par exemple. Bon, c'est pour l'idée, hein. Tu vois, on pourra se poser là, là quand l'eau aura fondu, ça va être vraiment génial. Enfin, quand la glace aura fondu, ce sera vraiment génial. J'ai fait une forme de L parce que sinon ça faisait un grand conteneur dégueulasse. Et de toute façon je vais quand même changer certaines choses ici parce que je suis pas convaincu. Là ce que j'aimerais faire c'est genre l'entrée. Je voulais la faire là au début l'entrée, mais en fait je vais plutôt la faire là. Donc je vais d'abord tout de suite faire ça. Hop, voilà, comme ça je le sais, l'entrée sera là. Je veux faire une petite terrasse à l'entrée. Enfin je veux dire en gros couvrir l'entrée. D'ailleurs ça c'est bien parce que Calvin qui m'a aidé bien sûr à couper les arbres. Bah du coup de temps en temps ça se stockait dans les traîneaux du coup vu que les arbres tombaient dessus. Donc c'est vraiment cool. J'ai fait aussi un petit bah du coup une petite cabane ici. Enfin c'est pas une cabane, je suis con, c'est une plateforme. Ça permet de prendre de la hauteur, sait-on jamais des fois quoi hein. Voilà, donc l'idée, hop. Hop, on verra si ça rend bien. Après ça aurait été bien aussi que ce soit surélevé. Pour être honnête, ça aurait été pas mal que ce soit plus surélevé. Mais bon, maintenant c'est trop tard, j'ai placé les bûches et je vais pas m'amuser à tout recommencer. Le problème sur ce jeu, c'est qu'il faut réfléchir. Hein. Faut réfléchir avant de faire. Mais c'est pas grave, ça va être très bien comme ça en vrai. Hein. Ça posera pas de problème, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Donc aujourd'hui, évidemment, épisode construction. Alors je me suis fait du coup regarder. C'est trop bien, vu que maintenant on peut poser les bâches. Et ben voilà, ça permet de se réchauffer, de ne pas être humidifié. C'est vraiment chouette. Alors par contre ça c'est de la viande cuite, ça c'est de la viande crue, donc je vais en profiter pour mettre ça au feu. Et voilà, vous voyez, on est vraiment dans un petit espace chill cocooning et ça va être vraiment trop bien. Alors par contre on se fait beaucoup envahir par les cannibales et les méchants, mais du coup c'est cool parce que du coup maintenant j'aime bien. Ah bah là-bas, en parlant des loups, allez, il y a un cannibale qui arrive, ah bah là aussi. Et puis de toute façon il y a, comme dit, tout autour il y a des villages qui sont pas trop loin, donc aussi forcément ça crée des liens quoi. Forcément ça crée des liens. Alors je surveille juste ce que j'ai mis au feu. Parce que sinon ça va être perdu. Ce serait dommage. Bon, si vous entendez des coups de feu, c'est Virginia qui me défend. Hein. Ok. Parfait. C'est vraiment une pépite ce jeu. Hein. En fait, je le dis à chaque épisode et je m'en bats les steaks. Je le répéterai autant de fois qu'il le faut. On va se détendre les loulous là. Virginia, il faut se réveiller. On va avoir des problèmes sinon. Ok, alors tu sais quoi, les bûches qui sont déjà là, je vais les disposer comme ceci. Voilà, je vais user mon petit stock de bois là. Et après on va pouvoir commencer à travailler sérieusement. Parce qu'en fait, au début je me posais la question, je savais pas si je voulais faire la maison en pierre ou en bois. Alors pour des raisons pratiques, la maison en bois c'est quand même plus simple. Et deuxièmement, bah, la maison en pierre on l'a déjà fait là-haut. Donc on va pas s'amuser à refaire ça. J'avais fait un petit stock de pierre ici au cas où, mais en vrai voilà, on va pas la faire en pierre. Mais on va la faire belle. Ça va pas être juste un conteneur dégueulasse. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, la porte, c'est ici. Hop, on la fait ensemble. Forcément, ça peut faire penser à la première base qu'on avait fait. D'ailleurs, on y retournera avec grand plaisir. J'avais vu vos commentaires. Vous voulez qu'on y retourne de temps en temps? Bah, on y retournera, il n'y a pas de problème. Je vais juste placer les bûches là, comme ça. Elles seront sauvegardées. Hop, voilà. Mais du coup, voilà, hein, évidemment, ça va être une base bien différente. Et j'ai calculé la taille. Ça va être juste parfait, sachant que je compte faire un deuxième étage. Donc en fait, c'est ni trop grand ni trop petit. Parce que si c'est trop grand, c'est moche et mal utilisé. Et puis si c'est trop petit, bah, on se sent pas bien. Donc voilà, là, c'est vraiment juste tout pile comme il faut, quoi. C'est tout pile comme il faut. Ok, alors laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Donc là, je mettrai des petites barrières. Mais des barrières en... Merde. Des barrières en bâton, je pense. Pour changer. Parce qu'on a toujours... Allume la lumière, toi. Parce qu'on a toujours fait les petites barrières avec les bûches.
Là, ça peut être pas mal de faire avec des petites barrières là comme ça. En vrai. Est-ce que c'est possible? J'ai l'impression que ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. Alors. Attends, là je travaille là. Là je travaille, c'est pas le moment de venir me faire chier toi. Voilà, merci Virginia, t'as compris mon appel à l'aide. Ok, donc faudrait que je décale un peu plus. Comme ça. Ah non, c'est pas centré. Oh, ça me saoule. Oh, oh putain, Virginia, tu refais plus jamais ça, tu m'as fait peur. Hein. T'as fait peur à tous les viewers. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Hop. Oh là là, c'est centré. Hop. Hop. Et en plus, on pourra mettre de l'électricité aussi. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Évite de casser ma barrière, par contre. Il faut que je la solidifie avec des pierres. Et alors là, pour trouver de la pierre, mon pote. Je parle bien de la vraie pierre, non pas les roches. Ah ouais, là, ça va être chiant. Ouais, ça, c'est les grosses briques. Ah ouais. Alors par contre, depuis qu'ils ont mis les briques, c'est compliqué de trouver de la pierre. Hein. Ah, je vous le dis. Bon. On va se contenter de ça pour le moment. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Virginia? Elle est complètement teubée. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, oui, du coup, là... bah non, vous avez compris ce que je voulais à peu près faire, de toute façon, je pense. Non, je réfléchis si j'ai pas omis un détail. Non, je pense que c'est bon. Alors, ce qu'on va faire juste, on va sauvegarder. On va dormir. Hop. Et demain sera un autre jour. Voilà, parfait. On va manger. On va se mettre... Ah bah j'allais dire on va se mettre au chaud, mais le feu est éteint. Alors forcément c'est embêtant. Et on va boire notre petite boisson énergisante. Comme ça, ça régale. Voilà. Allez. Virginia, j'espère que tu vas bien. Kelvin, il est où? Kelvin, il est là. Kelvin, il va me remplir... Alors est-ce qu'il va réussir? Attendez. Remplir. Non, il n'y a pas à remplir. Ramène. Ah si, ramène des bûches. Ah. Attends. Ouais, c'est mal fait. Suis-moi. Déjà, tu vas commencer par me suivre. C'est magnifique. Ce jeu est magnifique. Tu vas me suivre. Hop. Voilà, on va se mettre au niveau des conteneurs, là, ici. Voilà. Voilà. Tu vois ces conteneurs? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas me ramener des bûches et tu vas les remplir dans le contenant. Voilà. Et là, il va me remplir automatiquement. Alors, il me semble que si je lui demande du coup, alors ça c'est la nouveauté du patch 15, si je lui demande d'entretenir la base, il le fera aussi. Mais le problème, c'est qu'il va aussi me remplir les sticks, etc. Et là, c'est vraiment pas la priorité. Là, je veux vraiment qu'il s'occupe des bûches. Moi, évidemment, je vais pas chômer de mon côté. Hein. Je vais moi aussi couper des arbres. Normalement, ça a été patché. Hein. Il va pas casser les arbres où il y a déjà des... Où il y a déjà des structures. Ah, bien sûr, je pourrais utiliser la tronçonneuse. Hein. Mais j'aime bien faire ça à l'ancienne aussi. Autant ne pas aller trop vite. Et bien sûr, les arbres repousseront. Vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Du coup, là, l'objectif... Écoutez, oui, déjà, on va faire la porte. Comme ça, elle sera faite. Alors, évidemment, elle est pas dans le bon sens, comme d'habitude. Ah, ça casse la tête, ça. Et j'ai cassé ma barrière. Et ça, ça va me casser la tête. Ça, ça va me casser la tête. Hop, voilà. Bon, la barrière, j'ai compris. De toute façon, c'est pas terrible. Voilà. Et il chôme pas, Kelvin, là. En vrai, c'est super pratique, ça. Ça va être super pratique. Qu'est-ce que tu me ramènes, ma belle? De l'aloe vera? C'est ça. Merci beaucoup. C'est parfait. Ok, bon, la porte elle est là maintenant. Là j'ai une planche en trop qui me servira à rien. Oh, si je peux la mettre là. Oh, magnifique. Magnifique. Ok, alors mes bûches. Eh, je suis entouré de cannibales, les amis. C'est impressionnant. Là, ce qu'on va faire tout simplement, petit à petit, eh ben on va faire les murs. Hop, voilà, comme ceci. Et regardez-le, est-ce que ce serait pas l'employé du mois? C'est génial. Et en fait il remplit les deux. Et ça c'est cool, j'avais peur qu'il remplisse qu'un seul. Et en fait il remplit les deux. Ok, bah je vais pouvoir me servir. Et il va faire ça genre à l'infini en fait.
C'est super. C'est vraiment un bonheur. Allez Virginia, tu te lèves. Il y a des cannibales qui rôdent. Ouais ouais, je sais que t'es heureuse. Moi aussi je suis épanouie. Mais t'as vu, elle est contente de me retrouver du coup. C'était vraiment une bonne idée de s'installer en bas. Voilà, moi je vous le dis. Même si on est évidemment tous d'accord là-dessus. Ok. En fait, je réfléchis en même temps que je fais ça. Hein. On pourrait accentuer la forme. On pourrait accentuer la forme du L. Ouais, 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 ouais. Ouais, sinon ça va être trop grand. Eh, regardez ce qu'on va faire. On annule, vous inquiétez pas, hein, bien méchant. C'est maintenant qu'il faut le faire pour le coup. Hein. Voilà. Voilà. Du coup, hop, hop. On annule. Je vais juste mettre ça dans les conteneurs parce que sinon je vais en perdre la moitié. Hein, on connaît bien le jeu. Et les bugs, etc. Ça peut arriver. Voilà. Au moins ça c'est safe. Ce qu'on va faire. Ah ouais, mais du coup, putain, faut aussi que j'enlève là les murs. Oh mince, dommage. Bon, je pense que vous avez compris. Voilà, on va enlever tout ça. Et on va mettre ça là. Voilà. Bon, du coup, on peut replacer le mur. Hop, 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 hop. Là, l'avantage, c'est que les bûches, elles sont toutes à côté. Donc déjà, en plus, ça permet d'économiser du bois, d'ailleurs. Parce que là, on économise grandement. Mais surtout, avoir un vrai L, une vraie maison un petit peu plus cosy. Avec plus de forme. Alors, plutôt là. Voilà. Parfait. Ça, ça dégage. Moi, je veux ça. Hé, Virginia, laisse-moi les bûches. Hé, regardez. Notre Kelvin International à l'autre bout de la map. C'est un régal. Il déchire, voilà, il déchire tout le Kelvin. Il est au taquet, il est chaud, il a pas froid, il a pas peur. C'est bon ça, j'adore. Alors on va essayer d'être malin quand même, parce que là vous voyez j'ai des planches du coup qui sont là et qui ne servent à rien. Donc autant construire genre un meuble tout de suite, même si on le déplacera par la suite. Mais autant que ça serve, parce que sinon on va perdre du bois pour rien. Donc écoutez, un meuble de rangement déjà, ça peut être quand même une très très bonne idée. Alors bougez pas, faut juste que je me souvienne où c'est que c'est vraiment chiant à trouver hein. C'est une dinguerie, étagère, voilà, étagère. Normalement des demi-planches ça suffira largement. Et ben pour le moment c'est temporaire, de toute façon on déplacera. Je mets là, ici. Hop, je récupère tout ça. Voilà. Voilà, voilà, c'est parfait. Il me reste juste une petite planche encore à rentabiliser, mais c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Étagère murale, écoutez. Hop. Ça fait le taf. Voilà. Et j'ai encore avec une planche, qu'est-ce que je peux faire avec une planche? Est-ce que ça marcherait ça? Il y a moyen. Oh, il m'en faut encore une. Bon, dommage. Au moins, on a aussi un râtelier d'armes. Oh là 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 là! Kelvin, il est en train de tout me déforester, mais il va jamais s'arrêter en fait. Faudrait quand même que je lui dise de. Bah non, non, bah non, c'est très bien. Qui continue ainsi, c'est du beau travail, c'est du beau boulot. Voilà, on apprécie. On apprécie l'effort. Hop. Et voilà. Bon, finalement, je me retrouve de nouveau avec des demi-planches. Les demi-planches peuvent faire du bois de chauffage, donc ça c'est pas perdu. Ça c'est clairement pas perdu, je vais m'en occuper directement. Hop. Mais c'est pareil, j'ai pas compris pourquoi faire des trucs de stockage de bois de chauffage alors qu'en fait on peut littéralement les poser là quoi. Je vais les mettre là en attendant, mais... Hop, voilà. Bon, elles sont sous la neige. C'est temporaire hein. Allez, on continue. Oh, alors toi mon pote. Ah, reviens. Arrête. Oh non, j'ai trop le seum. Virginia, aide-moi. Il faut choper cet écureuil. Oh non, j'ai trop le seum. Allez, reviens. Oh non, on voit plus dans la neige. Ok, il est parti là-bas. Il est parti là-bas, je vais le choper. Là. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Eh, il fait froid, c'est l'hiver. L'hiver est rude, on a besoin de manger. Mais vous avez vu, là aussi, on a vraiment pas mal d'animaux qui viennent. Donc c'est trop trop bien. On a vraiment à balle de nourriture. Donc c'est vraiment chouette. Alors évidemment on se nourrit que d'écureuils pour le coup. Pourquoi il n'y a pas le feu? Ah voilà. Il était sur le point de s'éteindre le feu. Eh bah j'ai eu chaud au kiki.
Kelvin, il coupe un arbre, je l'entends. Ah, il est là-bas, voilà. C'est bien, t'auras le droit de manger. Ah, faut que je prenne des forces quand même. C'est bien, Kelvin. C'est bien, mon garçon. Voilà, c'est bien. Oh! Ah oui, tu fais bien de me le montrer du doigt. J'ai cru que c'était un aigle royal. Continue de bosser, je m'occupe de lui, t'inquiète. Il est où là? Oh. J'entends des drôles de cris. C'est génial. C'est dommage qu'on peut pas casser ça par contre. Bref. Bon bah on est plutôt pas mal. Ça avance plutôt bien, je suis content. En vrai, bah voilà, le fait d'avoir enfin fait ces nouvelles mises à jour, ces nouveaux patchs, bah Kelvin il est vraiment utile pour le coup, je pèse mes mots quoi. Genre là, ça c'était des trucs que je galérais à faire jusqu'à présent. Bon là je crois qu'il fait une pause. Ah non, il essaie de récupérer une bûche là-bas, je pense. Mais c'est cool, Kelvin il est vraiment utile quoi. Alors attends, comment on fait comme ça? Parfait, c'est pas ça que... Oh si, c'est parfait. Très bien. Très très bien. Hop. Voilà. Comme ça, on peut monter aisément. Et on pourrait peut-être faire ça aussi là, je sais pas. Je sais pas. Plutôt que mettre une barrière. Ah non. Bon là, faut se dire que là, j'enlèverai tout le bordel là. Donc l'entrée ici sera quand même beaucoup plus accessible. Voilà. Donc là, je ferai une porte, je pense. Une sorte de petite porte également pour pouvoir accéder à la partie ici. Maintenant que je suis en train d'y penser, je me demande si je veux pas faire ça plus grand ou pas plus... Faut en profiter le temps que le lac est gelé. Parce que quand le lac sera plus gelé, je pourrai plus l'agrandir. D'un autre côté, si je le fais plus grand, c'est chiant, quoi. C'est pas aussi joli. Là, au moins, c'est bien, c'est rudimentaire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais j'avais envie de le placer. Et bref, on va continuer comme ça. Au moins on n'use pas trop de bois non plus, en vrai c'est plutôt pas mal. Là le plus important, écoutez, c'est juste que le premier étage soit fait, merde, et sécurisé. Après on pourra toujours faire le deuxième étage par la suite, évidemment, ça c'est pas un problème. Là faut juste qu'on soit au chaud, au sec, à l'abri. C'est vraiment le plus important pour le coup. C'est bien mon garçon. On est tous fiers de toi. Tout le monde dans le chat, enfin dans les commentaires. Kelvin Harris, Kelvin le boss, bien évidemment. Je compte sur vous pour lui envoyer un maximum de force. Mince. Alors c'est pareil d'ailleurs pour l'escalier. Je sais pas encore comment où c'est qu'on va le faire. Putain, par contre, je suis en train de me dire on va vraiment avoir de la place et tout. Ça va être trop bien. Vraiment, j'aime beaucoup ce let's play parce que c'est vraiment... On a fait 3 bases quoi. On a notre 3ème base. La première base c'est une catastrophe. Non, on en a fait 4 au total. Donc les deux premières bases au même endroit c'était quand même une catastrophe. Là la deuxième était plutôt pas mal mais trop serrée. Et là ça va être juste parfait. Ça va être parfait pour tout. Franchement, ça va être parfait pour tout. Là je vois bien un petit coin meuble, cuisine, tu vois. Ça peut être pas mal. Là évidemment je vais faire ça tout de suite. Je vais faire la porte pour accéder à l'extérieur. Donc après maintenant il va falloir trouver où placer l'escalier. Et il faut faire ça avant de faire le toit hein, parce que sinon on va encore se casser la tête à faire des trucs dans je sais pas quel ordre là, à devoir tout casser, on s'en souvient, c'est chiant. Donc voilà, je vais juste hop ramener ça ici. Comme ça, ça va permettre encore une fois éventuellement de faire des petits meubles. Je sais pas quoi comme meuble hein. Râtelier d'armes, bon écoutez c'est fait. Après on peut en refaire un deuxième pour le coup. On peut en refaire un deuxième, je le mets là pour le moment. Évidemment j'ai plus assez de sticks. Heureusement j'ai mon petit stock ici. J'allais dire merci merci Kelvin, mais je crois que c'était moi qui avais rempli ces sticks là pour le coup. Hop. Hop. Et hop. Voilà, comme ça ça s'est fait. D'ailleurs je peux même est-ce que j'ai des trucs à ranger là tout de suite? Voilà, comme ça au moins c'est déjà rangé. Les petits craquants croquants qui est... Putain, tu m'as fait trop peur. Elle fait trop peur. Je vous jure, c'est fou. Bon, les étagères, oui, on peut en refaire encore. On peut en refaire encore, je vais en mettre une là. Ouais, non, on va plutôt les mettre là en attendant parce que, comme je sais pas encore comment je veux construire. Ah, non. Fuck. Je fais pas ça. Je fais pas ça. Séchoir à linge, on a déjà. Râtelier à lance, ok. Ça, ça demande des sticks, on s'en fout. Ah, lit double.
On verra ça plus tard. Table ronde. Là, je crois qu'il faut des vrais rondins, non, pour faire ça. Ah, ah, parfait. Voilà, c'est pour ça. Ça permet de rentabiliser. Bon, là, il me faut quand même du bois. Oh, Kavinigère. Tu vois, t'as pas besoin de te prendre la tête. Il s'occupe de tout. C'est un vrai régal. C'est un vrai régal. Allez, dégage, toi. Excuse-moi, hein, Virginia, hein, je t'aime beaucoup. Hein. Faut le savoir, je t'aime beaucoup. Mais il faut pas déconner non plus. Il m'en faut encore, c'est une blague. Oh, casse la tête. Bon, j'ai compris. Kelvin, il fait quoi là? Kelvin? Ah, Kelvin, il cherche du bois encore, c'est bon. Je sais pas où il est passé. Mais j'ai cru qu'il avait arrêté, c'est bien. Voilà. Bon, bah ça m'aide pas tout ça. Hein, parce qu'au final, je me refais de nouveau des morceaux de bois. Donc au final, ça reviendra au même. On va faire la porte ici. Et hop là. Et hop là. La petite planche qui reste. Hop. Qu'est-ce qu'on peut faire comme petit meuble encore? La petite table. Et ben voilà, regardez, juste ici. Ah ouais, mais voilà, c'est ce que je dis, c'est que c'est trop petit. Non, en vrai, ça passe crème. Bon, pour le moment, je la mets là. Je sais pas de quoi j'ai besoin en premier. Demi-planche, non? Parfait. Très bien. Hop, voilà, j'aurais rentabilisé tous mes machins. Parfait. Allez, ça dégage. Ça dégage la racaille. Ok, bon, on est plutôt pas mal. Alors, du coup, pour l'escalier... Toi, je vais plutôt te mettre là. En attendant, je sais pas encore comment on va aménager. Donc, moi, l'escalier. Là, je veux vraiment que ce soit le coin. Bon, du coup, j'ai rangé ça pour rien. Je veux que ce soit le coin meuble, rangement, cuisine. D'accord? Ça, c'est clair et net. Je veux que ce soit comme ça. Donc, pareil d'ailleurs. Bon, râtelier d'armes, ce sera sûrement à l'étage supérieur. Attends, je suis pas seul. Je suis pas seul apparemment. Donc Virginia va bien, donc c'est bon. On sait qu'on pourrait faire l'escalier. Moi, je dirais plutôt vers l'entrée, c'est plus pratique. Donc, partant de ce principe. Ah ? Je dois quand même enlever ce mur là. Voilà, je suis trop con quoi. Faut quand même que j'enlève tout ça quoi. Trop le seum. C'est chiant hein. C'est à moitié bien fait. Ah ouais. Faut que j'enlève tout les gars. Faut que je recommence tout d'ici là. Bon. Voilà, du coup. Il faut que je fasse ça. Non. Voilà. Ah putain, faut aussi que j'enlève ce mur là. Non, c'est une plaisanterie. Oh, c'est une plaisanterie. Hein. Oh, c'est une merveilleuse blague. Allez. Voilà, c'est un enfer. Heureusement que Kelvin est en train de m'aider à débarrasser du coup. Bon là, du coup, il peut plus rien me prendre du coup. Parce qu'il peut que prendre les grands rodins. Hop, hop. Je te les prends, frérot. Donc là, il faut que je fasse. J'enlève ça et que je fasse ça. Voilà, tout ça pour ça, les gars, hein, à la base. Hein. C'était vraiment que pour ça. Hein. Voilà, tout simplement. Bon, et puis là, du coup, on va mettre les escaliers. Voilà. Bah là, il faut. Eh, comment je vais faire? Ça. Voilà. Et du coup, bah, ça, je peux même plus utiliser, quoi. J'ai gâché. J'ai gâché ces petits bouts de bois, là. Bon, si jamais ils dépopent pas entre temps, on pourra s'en servir. Bon, bah voilà. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, donc là, ah ouais, il faut que je refasse une planche ici. Hop, hop. Voilà, bah c'est parti pour remettre les murs, les amis. Là, vous connaissez la chanson, donc hop et hop. Voilà. Je vais vous épargner tout ça. Voilà, et puis là, du coup, il faut que je referme les différents murs, quoi. Hop. Heureusement que ça marche parce que j'avais peur que ça marcherait pas. Ah ouais, je peux même pas fermer là. Oh, je peux même pas fermer là. Oh, j'ai trop le seum. Je peux même pas faire ce que je voulais faire. Je suis en train de gaspiller tout le bois pour rien. Je peux même pas fermer. C'est trop. Bon, c'est.
C'est lamentable. Oh, c'est aberrant. C'est aberrant. Oh putain. Bien joué Virginia. T'as tiré à côté mais c'est pas grave. Là on s'est mis dans une sauce. Ah ouais. Allez ça dégage la racaille. Voilà et dehors. Ensuite toi tu dégages. Voilà. Bon l'autre. Ah non Virginia, hop tu te relèves. Voilà. Hop ça dégage. Voilà c'est bien. Bon ben voilà. Les amis je vais devoir tout enlever. Puis je vous retrouve juste après quoi. J'ai trop le seum. C'est du beau gaspillage en tout cas, on apprécie. Putain c'est chiant quoi. Ah par contre j'ai des demi-planches, ouais c'est bon. Non pas ça, ça. Voilà, ça c'est parfait. Au moins je peux quand même rentabiliser la porte à nouveau. Et du coup ouais pour l'escalier je sais pas où c'est que je veux le faire. Et comment je veux faire. Ça c'est des demi, je m'en fous. Ça c'est une demi aussi, ouais bah il faut que je reprenne les bûches là quoi. Je sais pas du tout comment faire l'escalier, voilà malheureusement. Bah si je vais devoir la faire en plein milieu, j'ai pas le choix quoi. Mais je voulais éviter ça quoi. Parce que ça va faire perdre de la place. Putain, et je m'en sors pas avec toutes ces bûches là. Oh là 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 là. Ça c'est terrible. C'est terrible ça les amis. Mais non mais qu'est-ce que je fais. Je fais n'importe quoi. Comme ça. Ouais ça. L'escalier va prendre quand même de la place. Mais ça va, c'est pas non plus énorme. C'est pas non plus énorme. Je vais quand même pouvoir aussi rentabiliser du coup ça. Pas ça par contre. Ça. Ok. Ce sera tout. Ce sera déjà pas mal. Voilà. Donc l'escalier sera là. Ce sera plutôt pas mal. Et donc à partir de là maintenant je vais pouvoir placer toutes les bûches pour pouvoir faire le toit qui sera du coup le plancher de l'étage suivant. Et je suis en train de retrouver Calvin. Voilà ça fait plaisir. Calvin arrive. Ah mais c'est qu'il continue de me ramener du bois en plus ce fou. Mais il est allé chercher ça où. Mais il est complètement barjot ce type. Mais il est complètement malade. C'est complètement dingue. T'as vu ça Virginia. Ça dégage. Faudrait peut-être aussi commencer à voir pour mettre des pièges. Alors par contre ouais comme ils viennent du lac pour le moment c'est un peu débile. Piège à bestiole, piège à poisson, ça c'est très bien les pièges à poisson ici, c'est parfait. Piège de faiseur d'os, mais j'ai pas d'alcool là sur moi. Piège à mouche, piège à ressort, piège. Bon, en attendant, on va mettre un piège à mouche. C'est le truc le plus safe, j'ai l'impression. Hop, voilà, ce sera déjà ça. De disposer, ça va mon frérot? T'as pas l'air en pleine forme hein. Il a pas l'air en pleine forme le type. Bon voilà Calvin il gère encore. Donc vous avez compris ce que je suis en train de faire les amis. Bon on avance petit à petit. Là évidemment bah, j'ai plus de bois. Donc je peux pas chier du bois. Il y a du bois là-bas encore hein. Calvin je sais pas qu'est-ce que tu vas chercher. Mais attends par contre ça j'ai l'impression que ça te dérange. Et ça me fait aussi chier. Donc je vais enlever ça, ça servira à rien de toute façon. Voilà. Par contre il y a du bois là-bas donc je vais le chercher. Mais voilà on avance petit à petit. Je pense qu'on va pouvoir s'en arrêter là pour cet épisode. Écoutez j'espère qu'il vous a plu. Et merci encore à vous d'être aussi fidèle à la série et de me découvrir encore jour après jour avec celle-ci. Et voilà je vais faire mon maximum pour vous proposer le prochain épisode encore plus rapidement que prévu. Voilà donc on va faire le maximum. Comme ça je vous laisse pas trop sur votre faim. Alors attends. Comme ça. Voilà parfait. Donc voilà les gars, vous inquiétez pas, on se retrouve très très vite. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, très important, je compte sur vous, le commentaire qui fait plaisir. Et je vous dis ciao ciao bye bye. A très vite, c'était Mkolo. Salut. Yeah.